Oh. C'est magique. C'est magique. Comme dans le... Non, je peux pas. Il se peut qu'on ait trouvé des vidéos de jeux de rôle Harry Potter un peu gênantes. Ah, j'en ai vu des nouvelles. À tous les coups, les propriétaires du serveur, c'est le type qui l'a enlevé. Regardez s'il y a pas un serveur sur les terrasses. Oh, oh oui. Bon, on est où, là? Parce qu'à part entendre un mec qui joue de la flûte... Ah, j'avoue, il y a... Mais c'est... En fait, ils ont fait R, un truc quoi, bien trop... Personne. Ah, la porte, s'est ouverte, là-bas, non? Non, mais là, on est revenu au... C'est le début, ça, non? Ah, peut-être, ouais. Oh, y'a des gens, putain, ils se mettent sur la gueule. Oh, bah là, bah voilà, faut qu'on aille parler avec eux, là. Ah, on peut pas s'habiller comme on veut? Avec des potes pour mêler, c'est qui est dommage. Non, ici, c'est une dictature. Ah, d'accord. Je sais pas pourquoi j'ai envie de... Une dictature, c'est dans les pays où il fait froid et on porte des toques, hein. Et des fermetures avec des fermetures éclair. Bonjour camarade, vous allez bien? Bonjour. L'autre il arrête, l'autre il sait faire que ça. Oui, ah donc là il est en train de nous dire qu'on va se prendre un ban encore parce une que, fois parce qu'on a un polo quoi. Parce qu'on a pas pris les bonnes tenues. D'accord, t'inquiète. Oh non. Mais toi tu prends des photos. Qu'est-ce qu'il fait? Regarde, là tu sens pas le harcèlement arriver là. Regarde les. Regarde ça. Oh, c'est terrible. Ah ouais. C'est un peu Poudlard du bled. Ah non mais le problème, je vais te dire, hein, c'est que là j'ai clairement la flemme retourner jusqu'à la chambre pour aller changer. Hein. Alors moi je te propose plutôt d'aller chercher une connerie à faire et puis d'être ban quoi. Attends, on ne court pas dans les couloirs. On ne court pas dans les couloirs. Merci. Merci beaucoup. Ah mais en fait c'est ça qu'il faut qu'on fasse. On va. Oula. Casse-toi. Comment? On ne court pas dans les couloirs. Ah ouais, ok. Parce qu'en fait on vient de passer la serpillière et ce serait bête que tu glisses quoi. C'est pour toi, hein, c'est pour pas qu'il t'arrive. Quel est ton nom déjà? On t'a pas vu encore? Non, je vous ai jamais vu. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Ron Smith. Enchanté. Enchanté, moi c'est Kyle Peters. Je me souviens plus de mon nom. Ok. Mark Edinson. Et moi c'est Mark Edinson. Ravi de te rencontrer. Attention, hein, ça glisse et. Puis bah, on peut pas salir si possible avec toute la neige qu'il y a. On fait que ça là, en ce moment, de passer à Spire. Ok, bah merci de l'avertissement alors. Pas de soucis. Y'a pas de problème. Et puis peut-être à plus tard pour le dîner. Pour le souper. Ouais, à plus tard. À plus tard, et que l'aventure commence. Oh, il l'a placé. Oh là là, c'est beau. Oh, dis donc. Oh, jeune homme, elle est partie. Utilisation de la magie. Oh là là. Allez, ça sera répété, amplifié. Ah oui. On arrête le concours de bite. Oh oui. Non mais oh, jeune homme là. Bonjour Toby. Est-ce que toi aussi tu trouves que c'est inadmissible de parler comme ça dans l'enceinte de Poudlard? Toby, on est bien d'accord que les Serdaigle c'est des adoptés et les Gryffondors c'est des balances. Toby ou North Toby? Oh là là, vous avez. Oh là là, c'est raciste vous êtes ça! Mais qu'est-ce que vous êtes dissipé? Vous êtes. Oh là là! Oh, vous allez la fermer les puceaux! Oh! On est où là? Eh, j'ai déjà trempé ma baguette moi, monsieur! C'est pas la première fois que. Oui, je trouve qu'il va un peu loin, je suis d'accord. Je sais pas qui a dit ça, mais je suis d'accord. Il va un peu loin. Le Joël, c'est une balance. Joël, lui, putain, alors pendant la Seconde Guerre mondiale, lui, tu lui confies pas ta sœur. Alors lui, ouais. Non. Mais j'aime bien ces mecs-là, tu vois. Joël, regarde, il a la tête, il a la bonne tête du mec, genre, y'a pas de problème. Alors moi, j'ai les noms par contre. Joël, il vient chez toi, il te dit, viens te cacher dans ma cave. Franchement, tu sais déjà que ça sent pas bon. Ouais, c'est clair. Et ne bouge surtout pas, hein. Vous. Pardon, je reviens. Écoutez-moi. Ah, pardon. Faire 3 baguettes à 350 000 donc. Ah oui. Oh, ça va. Ah, y a du marché noir à Poudlard? Non, juste. Oui, enfin, si, y'en a. Oui, voilà, j'aime bien le. Oui, on est d'accord. Tu parles 100 galions sur un jeu de dés. Donc tu fais un rôle. Fais un jeu de dés. Oh, ça te parle ça? Ouais, ça me parle. C'est comment on fait? Non, je ne sais pas, mais si ça t'intéresse, j'ai une chaîne YouTube, JDR. Ah, bah, JDR, je suis abonné. Voilà. C'est pas. Donc ça m'intéresse. Alors, c'est slash R, c'est ça que tu m'as dit? Slash roll, je crois. Slash roll. Slash roll.
Oui, tu tenais de la tuer. Oh! Yes, j'ai obtenu 15. T'as fait 15? Ouais. À moi! 88. Moi, 88. Ah yes, ok. Fait, toi. Donc, là, t'as perdu. 79. Par exemple, là, vous me devez 200 galions chacun, tu vois. Ah! Mais alors, moi j'ai une question, Edward. T'as l'air de t'y connaître et de faire pas mal de trucs. J'ai l'impression que tu connais tous les petits coins un petit peu dark de Poudlard. Est-ce que t'es pas en train de nous entuber et que t'as une petite commande qui fait que tu gagnes tout le temps au rôle? Non. Non? Ok, ça c'est pas possible, je peux pas me faire avoir. Ok, ça part. Ça existe pas, non. Non, le rôle, noté. Non. C'est noté. Ouais. Ah ouais. Oh, merci pour les 45 galions. Là, c'est même pas moi, en fait. Ah, oh, merci quand même. Non, c'est ta paye. C'est ma paye, pardon. Ok, super. J'arrive pas à m'asseoir. On les entend moins, les blagues racistes, d'un coup? Okay. C'est qui les affiche? Oh, j'arrive pas à m'asseoir. Merde, j'ai pas rigolé. Non, c'est bon. J'arrive pas à m'asseoir. Bah, salut le prof, il se casse. Ah, non, il ferme la porte. Ou il ouvre la porte, d'accord. Comment on fait pour s'asseoir? En dessous de la porte. Moi, la baguette, c'est bien cuite. Clairement. Oh, oui, oui, bah oui. Clairement, avant la couleur, c'est bien cuite. Hein. Oui. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ah, ça a frappé. Ça a frappé. Le pauvre, il est dans la main. Il est dans la porte. Il y a un quart d'heure. Qu'il y a un connard qui est arrivé sur le serveur et qui est là. Excusez-moi, je dois rentrer. Est-ce que je peux entrer? Mais ouvre-lui, frérot. Je vais aller ouvrir. Je vais aller ouvrir discrètement. Oh oui. Ça, c'est mon prochain objectif. 100%. 100%. Dès qu'il tourne le dos, je m'accroupis et je vais aller ouvrir. Et si t'engueules, je dirais c'est ton problème, t'es bienveillant et tout, ça te faisait de la peine. Vas-y, je fais. Vas-y. Qui se nécessitera d'être incanté 3 fois avant que le sortilège soit réel. Ah putain, t'es mort. Oh putain, il a sorti de matraque. Oh frérot. Je suis au cachot. Oh. Vous avez donc. Oh fuck. 300 secondes. Ah, c'est bon. Ah, ça fait beaucoup quand même. Ouais, c'est pas mal, hein. Ok, c'est bon, nickel, je reste comme ça. Est-ce que là tu me vois bien que les... Eh oui, bah oui, bien sûr. Est-ce que tu me vois avec les lunettes et tout? Ah oui, okay, oh là là, c'est très joli, ouais. Super, ok, donc là, par contre, là on n'a pas les heures de cours et tout. Ah ouais, okay. C'est... mais tu vois, c'est comme quoi, il y a du... Dans tous les serveurs et tout, il y a du un truc. Plus et du moins, et là, je les trouve. Portes, elles sont incroyables, les décos... Ouais, les textures, ouais, en fait, les textures et tout, c'est très joli. C'est fou. Tu dois mettre contre... la robe, c'est obligatoire. Ah mince, ok, ça marche, merci. Faut mettre un, ouais. Mais parle bien, toi. T'es qui, 7ème année, à dire ma mère, je rentre. Et comment il a fait, moi? J'arrive pas à mettre lui, putain. Mais bougez vos fions, là. Nous allons utiliser, parce qu'il y a beaucoup de... Je connais les moldus. Le sort de Flipendo. Flipendo, pardon, j'arrête. Certains ont peut-être déjà... Et si c'est le cas... et qui ne souhaitent pas réviser ou autre, peuvent sortir. Ah. Là, dans la vraie vie, je sors. Dans la vraie vie, je sors. Dans la vraie vie, je suis sorti, là. Okay. Alors, on a une petite anecdote avec Maxime. Ça nous est arrivé. Allez, on suit le cours, Ça va pas durer vraiment 2 heures, ouais. Ah ouais, j'ai déjà une crise d'angoisse. Moi, tu me dis cours, 2 heures, j'ai déjà une crise d'angoisse. Pardon, excusez-moi. Apparemment, les comment ça s'appelle, les Weshden, les Gryffondor, ils sont un peu dissipés. Quoi? Les Gryffondor sont un peu dissipés dans ce monde-là, apparemment. Je veux dire, pour l'heure, monsieur Abdel, la prochaine fois, vous prendrez votre robe. Qui ça? Boum. Allez. Oh non. On l'esquive. Il y a une formule précise à prononcer. Qu'est-ce qu'on doit pousser plus haut et tirer plus loin? Non, Fort-Boyard. je l'ai pas dit. Le Fort Boyard. Le Fort Boyard. Toujours plus haut, toujours plus. Lève la main. Un d'entre vous sait. Je sais pas faire. Ah si, on l'a trouvé, c'était des macros tout à l'heure. C'était quoi? Non, tout à l'heure, c'était inclus dans le... Non, mais j'ai trouvé des macros tout à l'heure où quand tu restes appuyé. Ah ouais, prenez note. Non mais Julia, tu peux arrêter. On est en cours là, on n'est pas à la foire à la saucisse. C'est mignon, mais tu restes tranquille. Eh, hey, c'est des menaces, madame? C'est des menaces? Ah lui, il le prend sérieux par contre. Oui, c'est ça qui est bon. Potelé? Oh, le préfet, regarde, c'est bon. Elle va se faire coller, elle va se faire coller! Je la bombarderai, qui dit l'autre? Un peu cher.
Mais c'est une serpentard, Julia, pourquoi tu t'attaques à Julia? Mais non, c'est une serre d'aigle. Ah, pardon. C'est... Ah non, justement, j'ai fait exprès de prendre une autre élève. Nous étions tous les deux aubergistes à Volhynia, dans l'Est, en Transylvanie. Mon frère est un des plus grands brasseurs de l'Est. Les gens venaient de loin traverser les mers pour goûter ses bières. Et moi, je leur racontais des histoires, les histoires de nos enfances, les grands contes et légendes de Transylvanie. D'accord, je vois. D'ailleurs, je crains que nous ne soyons pas présentés. Je m'appelle Mélissandre, juste Mélissandre, et vous pouvez m'appeler Nelly si le cœur vous en dit. Et sinon, messieurs, asseyez-vous, on va s'asseoir. J'arrive pas, j'arrive jamais à m'asseoir. Non, on retourne sur le problème, je n'arrive pas à m'asseoir. Attends. Ah oui, toi tu... Putain. Eh ben alors, Goyle, assieds-toi. Tu m'excuseras, je préfère rester debout. Encore tes problèmes d'hémorroïdes. C'est marrant quand ils écrivent un truc dans le chat, on dirait qu'il y a une oreillette, genre ouais, je te reçois, ouais. Ouais, j'ai l'individu en visu. Oui, bien en sûr, les inondations dans le sud-ouest continuent. Accroche tes mains à ma taille, pour pas que la chenille raille. Tout ira bien si tu veux bien. Prie la chenille, mon Dieu. Si tu crois que je t'ai pas vu, faire ta petite ingénue. Avec Pierrot dans le tunnel, allez, sois pas jalouse. C'est un copain, c'est tout. Tu sais que nous deux, c'est pas pareil. Hé, vous deux les pipelettes, lâchez-nous les baskets. Avec vos histoires de nana, on va être en retard. Pose les deux pieds en canard, c'est la chenille qui redémarre. En voiture, les voyageurs, la chenille part toujours à l'heure. Accroche tes mains à ma taille pour pas que la chenille déraille. T'en penses quoi, Goyle? Ah, c'est... Tu sais très bien que je l'aime beaucoup, c'est une de mes préférées. J'ai essayé de changer un petit peu quelques mots. Mais je pense que c'est pas mal, ouais. Je pense qu'on tient le truc. Non, j'ai pas trop le temps. Ce qu'elle a marqué sur toi, Mélissandre. Il se présente comme un PNJ à tous les joueurs. En effet, certains champignons peuvent être coriaces. Je me souviens encore ceux qui avaient ravagé les pieds de mon frère. Oh, l'enfoiré. Non. C'est pas vrai. Oh, Kayla. Quoi? Un trait d'humour, Goyle. Oui, mais quand c'est l'histoire est vraie, je vois pas où est l'humour. Maintenant, tu es... Je comprends. Permettez-moi de vous raconter une histoire, Lilith. Je pense qu'elle vous inspirera. C'est l'histoire d'un cheval. Un cheval qui s'appelle Ewaz. Ewaz vivait dans un enclos qui n'était ni trop grand ni trop petit. Et Ewaz était un cheval... ni trop grand, ni trop petit. Dans son enclos, on le nourrissait avec ni trop, ni trop peu de nourriture. En bref, il ne souffrait de rien, il ne manquait de rien, ou bien de tout, c'est comme si. Mais Ewaz pouvait voir à travers son enclos l'immensité du monde. Il voyait les montagnes au loin, il voyait aussi le rêve de pouvoir galoper au-delà de cet enclos. Alors un jour, Ewaz décida de passer par-dessus son enclos. Il prit son élan et s'arrêta. Il s'arrêta car il avait peur. Il n'avait pas peur de se blesser, ce qui aurait pu arriver. En passant cet enclos, il aurait pu se passer la patte dans les fils de barbelés, et alors son rêve de liberté aurait été détruit. Non, ce qui lui faisait le plus peur, c'est d'imaginer que son rêve, au bout de cet enclos, ne pourrait être à la hauteur de ce qu'il imaginait. La seule question qui nous reste à savoir avec cette histoire, c'est de savoir si Ewaz a sauté ou pas au-dessus de son enclos. Moi je pense, Lilith, qu'avec un peu de temps et de patience, nous arriverons à retrouver votre histoire. Comme pour Ewaz, peut-être que cela nous emmènera à nous blesser. Peut-être serions-nous déçus aussi de ce que nous allons découvrir. Mais une chose est sûre, nous passerons au-dessus de l'enclos, je vous le promets. Mais justement, c'est ce qui me fait peur, c'est de découvrir mon passé. C'est un risque. Elle te mange, c'est sûr. J'ai été une très mauvaise personne, comme une très bonne personne. Nous avons tous commis le mal, et parfois même, nous l'avons commis pour faire le bien. Je n'ai pas peur du passé des gens. Si rien ne meurt jamais, nous avons tous le droit de changer. Nous n'avons pas été toujours ainsi avec mon frère. Nous aimons rire, nous aimons boire et chanter.
Et nous aimons jouir de la vie en sautant sur les tables, en racontant des histoires, les plus belles les unes que les autres, mais nous n'avons pas toujours été ce que nous sommes aujourd'hui. Je sais aussi cela. Mais cela ne change rien de ce que vous êtes, Lilith. Maintenant, c'est ça qui compte. Je vous vois parler avec Mélissandre et les autres, et je sais que vous êtes quelqu'un de bien. C'est ça qui importe. C'est ce moment présent. C'est ce que j'essaye d'être, quelqu'un de bien. J'essaye de me reforger comme ça. Au cas où le passé reviendrait, je préfère prendre de l'avance. Moi, je pense que vous n'essayez pas. Je pense seulement que vous vous découvrez et que c'est ce que vous êtes. Merde. Ces chevaliers ont tellement de poison dans la bouche qu'il leur suffirait d'avaler de travers pour mourir. Bonsoir. Je disais, les cavaliers ont tellement de frissons qu'il leur suffirait de marcher dans la boue. Après, j'ai des doigts, donc je m'accroche. Moi aussi. Bien joué. On a eu la même idée. La bravoure fait faire parfois des choses incroyables. Oula. La foi aussi. Fait. Oh non, ça m'a donné une idée, le fait de s'éloigner pour pisser, tu sais. C'est que tu es en train de discuter avec le groupe comme ça, puis tout d'un coup, tu sais, tu recules, tu mets le micro et tu fais. C'est dur, bien. Tu reviens plus près. Je suis un gamin. Monsieur de Rive, au nom des familles de la rive gauche et de la rive droite, vous devriez avoir honte. Madame Lilith était en danger avec une gargouille et vous l'avez laissée. Vous n'avez pas bougé, vous êtes resté là, stoïque, sans dégainer votre épée. La rive gauche et la rive droite de vos deux familles des deux rives devraient avoir honte de vous. Je ne suis pas un simple paysan. Je suis un ménestrel. J'ai eu l'enseignement de Taliesin, le grand conteur. Oh. Vous devriez avoir honte, monsieur. Allez. Allez. Je vais vous chanter chance. Une chanson ici, ce sera très bien. Et après, on déco. Hello, papi, mais qu'est pas ça? J'entends des bails atroces sur moi. À ce qui paraît, je te cours après. Mais ça va pas, mais t'es taré, ouais. Tu croyais quoi? Qu'on se verrait plus jamais? Je pourrais t'afficher, mais c'est pas mon délire. D'après les rumeurs, tu m'as eu dans ton lit. Oh, Jaja, y a pas moyen, Jaja. Je suis pas ta catin, Jaja, genre... En Katchana, baby, tu dettes ça. Oh, Jaja, y a pas moyen, Jaja. Je suis pas ta catin, Jaja. Genre... En Katchana, baby. Tu dettes ça. Waouh, magnifique. Je t'aime, mon frère. Merci. Moi aussi, mon frère. Merci d'être avec nous. Tout le plaisir est pour moi. Je vais déco avant qu'elle sorte un truc de Dark Sasuke.